Là, on n'est pas dans une chambre sur YouTube, les gars. Hein. Les spectacles, ils sont incroyables. C'est la première fois, les gars, que je prends une skateboard. Bah, ça va, hein. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Mais tu sais que j'ai pas oublié, là, je commence à stresser. Position ODD, les gars. Là, parmi tout ça, je croyais un passage secret où. Non, t'as mis toi, pas de passage secret. Il l'a fait. Oh là là. BMO. Quelqu'un BMO. Wesh. What? What? Arrive. Wesh. Bah, attends, tu sais faire ça? Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cinquième, je crois que c'est le cinquième épisode de VDI. J'espère qu'il va vous plaire. Il n'y en a pas eu au mois d'août, donc vous verrez à la fin de ce vlog, il y a une petite surprise. Donc voilà, reprise des VDI, une vidéo par mois où vous voyez un petit peu ma life. Comme d'habitude, ça bouge pas. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, t'abonner, mettre la cloche, réagir dans les commentaires. J'attends vos retours. Voilà, sur ce, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des idées pour les prochains VDI de ce que vous voulez que je fasse. Je vous fais tous des gros bisous. Bonne vidéo à tous. C'est bali. Tu vas voir le plateau, ça va être extrêmement impressionnant pour toi parce que c'est waouh. Tu vois, il y a des techniciens, des caméras de partout. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Mais tu vas être à l'aise, tu vas être mis à l'aise. Oh, ça fait flipper. J'arrive. Et j'ai hâte de voir le plateau. Vous êtes prêts ou pas? T'es prêt ou pas? Mec, toujours prêt. Les gars, c'est parti. On va se maquiller. Vas-y, viens. Ça fait une petite beauté, Inox. Hein? Ça fait une petite beauté. J'aime pas trop le maquillage, moi. T'aimes bien le maquillage? Les gars, moi, j'aime pas me maquiller. Là, je dois aller me maquiller. C'est un supplice pour toi. C'est un supplice de ouf. Tu peux épiler tes sourcils? Hein? Faut le faire aussi, ouais. Eh, si tu veux, hein, moi je sais pas faire de toute façon. C'est bien, Inox, tu te fais toute belle. Ouais. C'est bien. Je vais t'en faire une belle. Bon, Inox, c'est le grand moment. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Ton prénom, ah, yes. Stress, ma boubou. T'as mis, il y a des migales. Mais t'es moi. Arrête. Ah! Eh, mais ça, je me spoil. Arrête, allez, avance, c'est des vrais en plus. Allez, tu vois là, c'est des vrais. Non. Si, c'est des vrais, mais viens par là. C'est des vrais? Arrête, c'est des vrais. C'est pas des vrais, c'est pas des vrais. Allez, wow. On est parti. Wow. Bienvenue. Wow. Oh, c'est une dinguerie. Wow. Attends, je m'attendais pas à ça là. Bonjour. Wow. Attends, mais go. Oh, la dinguerie. Eh, c'est énorme, je suis venu. Je t'ai dit que t'allais attendre. Attends, mais c'est un... mais là c'est pas, mais là c'est un plateau. Ah ouais, les gars, je vous dis, c'est pas des lol où on est, hein. C'est pas du tout des lol. Moi je m'y attendais pas, hein. Là c'est vraiment grand, hein. On dirait que c'est la France en accroît de talent. Oh, c'est trop stylé. Il est choqué. Ça va, j'arrive. Il s'est pas je suis choqué, hein. Pourquoi t'es choqué? C'est énorme, wesh. Ah bah attends, là on n'est pas dans une chambre sur YouTube, les gars, hein. Ah mais moi je m'attendais à être dans un petit là mec, t'as un budget pour faire 10 ans de vidéos sur YouTube, hein. Gros, le studio là il vaut cher. Là c'est pas des lol. Le studio c'est all inclusive, on n'est pas sur du low cost, les gars. Oh, c'est vraiment stylé. Ah bah je suis content que tu sois content. Bah merci beaucoup, hein. Pour ah bah merci surtout d'être là, Inox Time. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors pour tout le monde, s'il vous plaît, on ne bouge plus sur le plateau. On ne passe pas derrière les trucs de lumière là derrière. Le commandant de bord Jarry et son équipage vous souhaitent une excellente traversée à bord de cette émission. Les spectacles ils sont incroyables. Il était beau, ah avec celui avec les drones, il était incroyable avec les drones. C'est stressant, ouais, quand même. Là, si non, celle-ci, si on gagne celle-ci, vous êtes faut... ouais, sauf on a un tour d'avance, donc on va perdre parce que il reste un truc après, une option. Là on va perdre. Je vais perdre, frère. T'as que 1000 balles. J'ai trop le seum, la vidéo, ouais, je suis trop voyant. Mais en fait, tu vois, la deuxième, je voulais pas la jouer. Mais je me suis dit, on la joue pas. Mais non, elle là, est là. Deuxième round, les gars. Mec, c'était carré, hein. T'en as pensé quoi? Carré ou pas carré? Carrément carré, bon bah c'est carré. Les gars, c'était... Ah, t'as vu, je l'ai calé, hein. J'ai calé le tar Lewandowski dedans, je vous le dis, moi. Non, c'était carré, hein. En espérant qu'on en refasse, hein. Bon bah voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour l'émission, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ok.
pour toi, merci de ta gentillesse. Non, ça m'a fait plaisir. Et vraiment, t'es le bienvenu quand tu veux. Bah, merci, ça fait plaisir. Et tu sais, t'as une super personnalité pour la télé. Bah merci. Parce que t'es sincère et ça, c'est génial. Okay. Tu vois, sur le sable, j'ai vu que t'étais vraiment... J'avais mal à la gorge. Ah ouais, j'avais mal à la gorge. Voilà. Super. Bah merci, bah une prochaine. Bon, merci beaucoup. Et je compte sur toi sur la com. T'inquiète. Tu pousses le queutru. On est carrément dans le queutru, mon grand. Première télé, hein, ça fait bizarre, hein, mais en vrai, j'ai hâte de voir la télé. Hein. J'ai hâte de voir le TF1 quand même. C'est pas des lol, les gars, c'est pas des lol. Bon les refs, là on est au studio de Romain, ça va ou quoi Romain? Eh, il y en a qui vont peut-être se rappeler toi, il y en a qui vont se rappeler Ryan, on est avec Ryan, Didi, on est carrément là. On est entre poteaux les gars, parce que là je viens de rentrer hier du Mexique. Et comme dans les commentaires sur la vidéo de Valouz, vous avez dit ouais va enregistrer en studio le son avec Andrea et tout. Du coup on est là actuellement. Ryan, est-ce que ça va être incroyable? Ça va être incroyable mon frère. Ouais, j'espère que ça va être cool, en vrai j'ai hâte de voir. Romain du coup, j'avais fait un freestyle au Mexique tu vois, pour une meuf que j'ai rencontrée en mode délire et tout. Du coup, j'ai fait un freestyle et je me suis dit, vas-y, viens, on va le poser en studio et tout. Du coup, on va voir ce que ça donne, quoi. Oh là là, j'adore. Donc, c'est parti, les gars. Let's go. Déjà, t'avais écouté la prod ou pas? C'est celle-là, la prod, ouais. Là, tu dirais qu'il faut changer quoi sur la prod? Il faudrait changer un petit truc. Bah, rien, on peut juste rendre le kick un petit peu plus rond, un peu plus fat, tu vois. Ouais. Léger. Mais tu vois, ton 808 là? Ouais. Il part jamais, en fait. Ah, toi tu veux que ça bounce un peu, tu vois. Là il manque un moment où dans le refrain, si t'as un refrain, ça bounce un peu plus. Alors là les gars, Romain il va retaffer les kicks et les basses et je vais vous montrer comment ça rend après. En celui d'avant et celui d'après. Ah ouais, c'est une petite différence. Ouais, il est mieux celui-là. Alors là les gars, on va changer la basse. Elle est comme ça. Elle est pas ouf. Bah les gars, c'est moi qui fais la prod, il y a des imperfections. Là il est en train de tout voir, il est en train de se foutre de ma gueule Romain. Du coup il va changer la basse. Noir. Bon, c'est parti, on va poser. Je sors le freestyle mec. Sors la carte de l'ancien. Sors la carte de l'ancien bébé. Bah les gars, c'est parti, le micro il est là, je suis là. Va falloir poser, va falloir porter ses couilles jusqu'au bout. On est en studio, c'est carré. Je pense pas trop d'autotune. Ouais, pas trop. On m'a conseillé de pas trop en mettre pour voir. Pélec au ratio, t'mets un ratio. Pélec au ratio, t'mets un ratio. Putain, c'est chaud, wesh. Ouais, je t'ai dit, hein. T'es sous coco, moi sous coca. Pélec au ratio, t'mets un ratio. Ouais, pas mal, ça fait. Sous coco, moi sous coca. Pélec au ratio, t'mets un ratio. Carré, les gars, on enchaîne. Ok, vas-y, à la suite. Attends. Charismatique comme la tempête Grace. Des yeux ardents comme la mono Ace. Je vise ton corps comme Akainu. Et les prochains, ça sera. À nous. Eh bien ce sera à nous. Sera à nous. Señorita, t'as la boca exotique comme fruit à la passion. Charismatique comme la tempête Grace. Des yeux ardents comme l'Armano Ace. Je vise ton cœur comme Akainu. Et les prochains ça sera à nous. Ok les gars, là on va faire le refrain, c'est chill. Donc on enchaîne, refrain tu connais, ça bouge. Je pensais, pas besoin de toi, chérie j'ai pas besoin de toi. André j'ai pas besoin de toi. Sirena j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi. Pas besoin de toi. Non chérie j'ai pas besoin de toi. Voilà, chérie j'ai pas besoin de toi. Ouais tu vas en mode tranquille. Je vais faire sans toi. Ouais ça après tu vas voir les ah, ça va être à côté. Ok, ok. Pas besoin de toi. Chérie, non, j'ai pas besoin de toi. Andrea, j'ai pas besoin de toi. Sirena, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, non, pas besoin de toi. Non, chérie, j'ai pas besoin de toi. Solo la playa. Ouais, t'inquiète, je peux le faire sans toi. Pas besoin de toi. Moi, chérie, j'ai pas besoin de toi. Andrea, j'ai pas besoin de toi. Sirena, j'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, ouais, pas besoin de toi. Non, chérie, j'ai pas besoin de toi. Solo la playa. T'inquiète, ouais, je peux le faire sans toi. Bon les gars, on sort, là on va éditer, on va choisir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Franchement c'était pas mal Romain, est-ce que c'est pas mal? C'est pas mal. On s'est bien démerdé? C'est pas mal. Là les gars, on a rajouté une petite voix derrière moi en mode puceau pour que ça fasse un effet. Andrea, j'ai pas besoin de toi. Bon les gars, là j'ai une surprise, c'est Andrea qui a posé, elle vient de m'envoyer. Je vais voir, là c'est bon, Andrea. Yeah, you, how are you? I listen your song. So, it's a moment quoi. Allez c'est parti. Attends, faut que je télécharge mon ref. Okay. So Andrea, wait, you download. Tu vas pouvoir refaire le plan. Non, je le laisse. C'est la première fois qu'elle chante, Andrea. Donc faut être indulgent. C'est pas tout de suite. C'est
deuxième couplet. Debes asustarte, solo sigue mi voz de la vida a la profundidad. Elle chante en espagnol, bébé. Debes en mis ojos, te tengo aquí tatuado. Deseando como nunca lo pensé. Cuando te pienso, te quiero aquí. Sufre conmigo, déjame. Ça, ça. En fait, on dirait qu'elle est pas dans le truc. Alors là, bonne chance. Alors là, bon, alors là, ça va être chaud. Mec, ça va être chaud, on fait comment là? Romain, t'en penses mais quoi, Romain? Romain, ça fait décalé comme ça. Pas décalé, c'est qu'elle est. Okay. Elle est pas calée, elle est pas dans les temps. Non, de rien. La orilla, la profundidad. Wesh, c'est un mec là. C'est un magicien. Là ça rentre trop tard là. Attends, les gars, là il a choqué tout le monde. En fait, la voix d'Andrea, je crois, c'était pas les bonnes notes, c'est ça Romain? Elle chantait un peu à côté, ouais. Ouais, je crois que c'était pas les bonnes notes, du coup ça faisait bizarre. Il a fait un truc de magie, j'ai rien compris. En deux secondes, gros, ça rendait bien. Bon, les gars, on va faire la magie sur la voix d'Andrea et on va voir ce que ça donne. Solo sigue mi voz de la orilla a la profundidad. Et là, t'es en train de modifier note par note. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la profondeur. Ah ouais, t'as modifié la note. Profondeur. Mais c'est incroyable. Non, là je m'assois carrément. Debes asustarte, solo sigue mi voz de la orilla a la profundidad. Lo ves en mis ojos, te tengo aquí tatuado, deseando como nunca lo pensé. Bon les gars, on est encore au studio, il est 21h, tranquille. Il y a le poteau Lucas qui vient d'arriver. De toute façon, vous connaissez Lucas. Quoi, l'équipe? Ça bouge pas, vous connaissez Lucas, il va clipper. Eh hey, gros, en deux spies ça s'est fait hein. Ah ouais? En deux, bah ah ouais, je t'ai envoyé un message, t'es dit viens en clip. Je peux le faire sans toi. Fini avec Lucas, je suis arrivé ici à 14h, je ressors à minuit. Voilà, on a fait le son, le petit clip tranquille, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous mets le lien juste au-dessus, vous avez le clip et tout, vous l'avez déjà vu à l'heure où cette vidéo elle sort. Mais voilà, c'est carré, c'était magnifique studio, c'était incroyable, j'espère que vous avez passé un bon moment. Les petits refs, on est dans le studio tranquille et il y a une petite surprise qui m'attend. Il y a le ref de Kiki qui est venu. On il a est débarqué. Là. Ça va ou quoi? Ça va. Est-ce que ça? Et gros les gars, il a débarqué avec un joyau. Là. Aujourd'hui c'est un grand jour là. Aujourd'hui c'est un grand jour. La dernière fois les gars c'était les TN Rose pour ceux qui se rappellent. Mais là. C'est un autre niveau là. C'est la première fois les gars que je prends une skateboard. Ouais. SB. SB. Ouais. C'est ça. C'est la première fois les gars que je prends une Nike SB. On verra si ça me va. On verra si j'arrive à la porter. Mais c'est pas n'importe laquelle. Il m'a amené une SB les gars. Je lui ai dit. Je pète mon crâne. Vous allez péter votre crâne. Ah. Après, je sais que celle-là, il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop. Soit t'adores, soit tu détestes. Voilà. C'est soit t'adores, soit tu détestes. Déjà, on part de quoi? On part de Travis Scott qui un jour s'est dit il faudrait quand même faire une paire pour skater. Des US, puis du skate, voilà, tac. Oh là là, déjà, regarde le packaging. Le packaging, gros. Attends, faut que je te filme ouvrir, frère. Voilà. Ça, c'est du bandana, façon bandana. Donc, même le papier. Mec, c'est incroyable. Attention, les gars, préparez-vous. Parce que ça. C'est... Oh la papa la pépite. Attends parce que là je la vois à travers la cam. Tu peux carrément pas voir la suite en plus. Parce que une fois que tu l'auras défoncé, ouais. Bah tu pourras directement enlever et en dessous tu auras une autre surprise. Mais non. Bah c'est la grande mode des paires. Ah ça veut dire là je la gratte, il y a un truc. Il y a un truc. Oh là je te là dis là. Pas quoi, je te laisse découvrir. Oh mais là dessus là. C'est du bandana. Ok. Oh, elle est magnifique. Ah c'est du bandana. Fallait le vouloir, hein. Faut prendre. C'est un risque en soi. Ouais, c'est un risque de fou. Ouais, je l'ai lacé, c'est une corde de bateau. C'est une corde de bateau. Voilà, mais la couleur. Elle est magnifique. Non, elle est magnifique. Et tu vois, t'as deux swatches. C'est-à-dire que le logo Nike, donc le swatch c'est le logo Nike. Il est rose un peu là. Voilà. Ici il est rose. Et ici il est noir. Et pour une fois, il est pas inversé. Tu sais, Travis. Ouais, Travis, il inverse. Bah, moi, j'aime bien quand c'est comme ça, moi. C'est mieux comme ça. Juste pour la porter, ça va être galère, ça. Je suis pas habitué. Je la teste après. Ah, mais tu la testes tout de suite. Mais... Oh, putain de merde. Oh, les gars, celle-là, c'est. Tu vois, il y avait les Sean Wotherspoon là. Tu vois, celle que Michel m'a offert. Bien sûr, bien sûr. Celle-là, c'est mon goal ultime. Et après, j'ai vu celle-là. Et j'ai fait celle-là, en fait. Elles ont un truc, t'as vu. Elles ont un truc. Elles sont originales. Tellement différentes. Faut les garder en bon état, les gars. Ça, les gars, moi, j'y prends soin. Mais en vrai, j'y prends soin de mes pères. On va pas se mentir. On va pas se mentir, je les ai flingués. Voilà, quand tu me les as amenés, là, il fallait pas que du shampoing. Non, mais les autres, t'inquiète. Eh, hey, Kevin, je prends soin. Pas d'ouf. Ouais. Et celle-là,
T'inquiète pas que je vais la mettre quand il y aura une meuf, je sais que c'est la bonne. Et bon, j'ai test. Allez, putain, c'est parti. Il y a plusieurs lacets, ok. Donc c'est soit je mets la corde, soit je mets les lacets noirs, soit je mets les lacets roses. Les meilleurs, c'est les la corde en vrai. Et ouais, si tu veux être vraiment original, fais un pied, un lacet. Mais non, genre tu laisses la corde là et l'autre tu mets un autre truc. Ouais, c'est ça, tu peux faire ça. Et ça fait stylé. Ça dépend, après, ça dépend de l'outfit, ça dépend. Ça de dépend, tout. Ouais. De toute façon, dis-toi que celle-là, c'est Cactus Jack. Même les, juste l'étiquette, tu laisses l'étiquette, elle est déjà. Mais qu'elle est, mais gros, elle est incroyable. Mais c'est même pas. Mais je dis ça parce que en fait, elle a un truc. Il y a un truc. Et j'ai jamais mis de SB, donc on va voir si ça me va. J'espère que ça me va. Hein. T'es mal à perdre, bébé. Oh. Elle a l'air confortable. Hein. Ah, elle est énervée. Elle est patate. Oh, hein. Moi, j'ai trouvé énervée. Ouais, je suis trop bien. Mec, elle est magnifique. La voix du dessus, là, je bande. Hein. J'ai l'ultra marre, mec. Là, franchement, elle est vraiment belle. Hein. La question, c'est est-ce que tu la préfères au TN Emerald? Tu sais que les Emerald, écoute-moi bien. Je les ai jamais mises. Jamais. Elles sont sur mon étagère. J'attends le bon moment. Faut échanger avec l'étagère. Hein, hein. Tu les mets là, tu les regardes tous les jours. Le problème de. Un jour, tu vas être là, tu vas streamer, tu vas dire bon, c'est mort. Ça y est, allez, hop, Mais ouais, mais gros, je l'ai jamais mis, donc j'ai envie que le jour où je mette mes émeraudes, ça soit un bon jour, parce qu'une fois que je les mets, c'est fini. Voilà, le jour 5 du millions. Mariage. Les 5 millions, ouais, peut-être je les mets. Là, la émeraude, les gars, elle s'affiche là. Quand je la mettrai celle-là, pas pour jouer aux cartes. Hein. Je vous le dis déjà là, si je vais voir une meuf avec celle-là, c'est bon, elle a tout gagné. Hein, le jour où elle me joue avec ça. Le jour où je la mets. On en trouve une deuxième et on la fait gagner. Vas-y, c'est quoi, je suis trop chaud. Alors, le jour où je la mets, je fais bon, les gars, c'est bon, j'ai capté une meuf avec celle-là, on la met. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien la paire, les gars. Et je vais essayer de me trouver un outfit. Est-ce que tu peux donner l'anecdote sur le fait que depuis qu'il a des TN Atlanta, chez Gigigix, il les appelle tout le temps? Mais non. C'est vrai. Ah, tu sais qu'on les, on a les TN, les bitches à quoi, les blancs. Les bitches, ouais. Les 7 voilà. Qui les bleus, là. Vous nous avez harcelés. Du coup, on va trouver une solution pour vous les fournir. Ça, c'est la première fois qu'on l'a vu avec. Quand c'est très quand il a fait son clip de lancement de Jack Boy. Il y avait, je crois, 6 ou 7 ans dedans. Ils ont vu une Travis avec une SB. Là, direct, tu connais Travis, ça s'est appelé. Bah oui. Ouais. C'est quoi la terre, quand est-ce que ça sort, etc. Et c'est sorti février 2020. Moi, pour moi, tu vois, je trouve ça, c'est abusé les prix des paires. Je trouve que c'est abusé, mais c'est normal parce que celle-là, il y en a combien d'exemplaires celle-là? Honnêtement, je connais pas le stock mondial. Ouais. Et je vais pas envie de m'avancer parce que j'en suis pas sûr. Ouais. Mais ce qui est sûr en tout cas, ultra limité. C'est ultra limité. Comme tout ce que fait Travis est ultra limité. C'est des trucs, ça part en 10 secondes et tu les revois plus jamais. Même le merch, les t-shirts, les prends pas compte. Bon, bah voilà, on se retrouve la prochaine fois, peut-être avec une autre paire. Peut-être une Jordan 4, je vous montrerai. Yo les petits refs, je suis à Webedia dans mon studio, mais il y a mon monteur juste à côté et je viens de recevoir le trophée du million de la chaîne secondaire Inoxtag 2.0. Donc je me suis dit, je vais lui offrir. Il est à côté, on va voir sa réaction, je vais filmer. C'est parti, let's go. Il charbonne les gars, il charbonne, faut régaler. Hey Ron, j'ai un cadeau. Quel cadeau? Oh. Mais non. Hey, le million. Le million de la chaîne secondaire quand même. C'est incroyable. Et il est là bébé. Il est là. T'es un fou, oh. D'ailleurs t'es en montage là en plus. Ouais. Bon bah voilà, on est ensemble. L'équipe au taquet. Cyber les gars, chaîne c'est principale, vous, c'est chaîne secondaire. Et Ron il a tué ça, le trophée. Fianso, j'ai un documentaire à faire. Filme-les pas, tu vas avoir des problèmes avec le FBI. Ok, j'arrive. Tu vas monter sur scène là. Mon gars, comment Bah ça va, hein. Ça fait longtemps on s'est pas vu. Mais tu sais que j'ai pas oublié là, je commence à stresser. Parce que Saïd il me dit que c'est. On va pas tarder à. Le freestyle il va pas tarder là. On a carrément pris des engagements. Non mais là je stresse. On a pris des engagements. C'est mort frère. Aïe. D'ailleurs j'ai écouté un truc de toi là, c'était bien. Ah t'as écouté? Bien sûr j'ai écouté frérot. Le son avec la mexicaine? Évidemment j'ai écouté. Oh là là. Mortel. Oh là là le boss. Et toi raconte alors, ça a été? Ouais le Mexique c'était de la frappe. Ton aventure de fou là. Ouais c'était trop bien. Trop bien. Mexique, un de mes meilleurs voyages. Tu vas monter sur scène. Y'a combien de personnes là? 40 000. Tu sais que là je sais pas ça représente quoi les gars là. Là je sais pas du coup ça représente quoi. Vas-y bah j'ai hâte de te voir sur scène alors. T'as pas de galère mon frère. Tu vas faire du sale. Non t'es un ouf, je bosse sur scène. Sur la tête. Non, malade toi. Toi à chaque fois tu veux me mettre dans des bourbiers. Non y'a pas. On l'a fait une fois, je la refais pas. Je sors de la caravane, allez tchuss. Juste, et il va y avoir du monde. Moi je pense 20 personnes. Mais y'a pas 45 000 là, regarde y'a personne. T'es un ouf toi, vas-y avance, c'est pas où on est mon poteau. Bon moi je dis, je pronostique 200 personnes. Eh j'ai vu un peu le nombre des gens qu'il y a là, t'es dans la merde. Les gars, je vais vous montrer. Il y a plein de monde. Hey, il y a plein de monde. Je vais te niquer, Inox. Les gars, là, on est dans les backstage. Hey, fais-moi les backstage. Du truc. Waouh, c'est balèze. Viens, viens, viens. Ah ouais, il y a du monde. Hein. Arrête de te chier dessus, mon ref. Arrête de te chier dessus, mon ref. Il y a plein de gens. Tête de moi, il y a plein de gens. Mais j'ai pas de temps. 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 Mais j'ai pas de temps.
tu vas dire Kenzo, c'est le grand frère que tout le monde rêve d'avoir. Ouais. Fais tout bruit pour faire ça. Bon bah les gars c'est fini, on était venu passer voir le petit concert, c'était lourd de fou. Elle prend 10 ans à se fermer la porte d'ascenseur là. C'est à cause de moi frère. Oui, il y a un bug de l'ascenseur. Ça fait 10 minutes on est là à cause de toi frère. Voilà. Toi là tu as niqué. Les gars vous avez pas vu, j'ai mis la main comme ça. Mais fallait pas mettre ta main, t'es con quoi. Alors attention, ODD. On peut se mettre en position ODD. Ok, vas-y. Oh la vie de ma mère! Non, non, non! Aïe! T'inquiète, ça, ça va pas s'arrêter. Non, mais frère, voilà, on est là. Ça fait deux fois, non, non, non! Non, 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 non. Ouais, moi j'ai pas envie d'en être bloqué là. Arrête. Arrête. Il a essayé de le fermer la mano. Oh, regarde. Oh, bougez plus. Laissez, attends deux secondes. Va chercher la voiture. Attends, attends. Mais non. Wesh les gars, là on vient de rentrer. Je pense vous connaissez là certains là. Bichou, on est où là? À Toulouse, on est chez vous. On est chez Watt là. On est dans la Couton House. JL House là. C'est dingue le salon, il est dard de fou. Oh la piscine, ah ouais, c'est de la frappe. Pour la vide hein. Oh, ah ouais, papa, t'es sale. Non mais Bichou, tu me fais quoi là? Mais frère, en gros, je t'explique. Tu ramènes les gars. On a utilisé. Ah, le jacuzzi. C'est vrai que là, il y a eu un problème avec le tuyau, elle s'est bouchée. Comment elle est crade. Tu me fais la visite? T'as vu, il y avait une piscine. Ouais. Proba, tu sautes dans l'eau. Non, t'as un bébé. Reste pas ta pute dans l'eau. Je m'habille comment ce soir? Tu m'as dit, t'avais pas d'habits mais des caleçons. Je saute en caleçon. Non, je saute en caleçon. Non, t'as un certain haut. On fait la même taille, j'ai des maillots de bain. Ah, je joue pas moi, je joue pas. Proba 7. 3, 2, 1, 4. Ça se... okay. Ah, attends, donc là c'est en 5. Non, tu divises par 2 frère. C'est 4. Poto, ouais, ouais, t'assumes mon ref. En 4, vas-y, vas-y. 1, 2, 3. 2. Aaaaaah. J'allais dire 2. J'ai la haine. Oh, oh, Bichon, en combien? C'est lui qui l'a dit, hein, c'est lui. Hein. En 4. Ça veut dire qu'on divise par 2 après? Ouais. Hey, gros, oh, moi j'ai peur de rien. Eh, hey, désolé, on est en train de foutre le scar dans ta maison. Ça va bien? Eh, hey, désolé de t'avoir réveillé. Non, non, je t'ai réveillé, mais j'ai entendu des voix, je me suis dit, mais attends. Eh, c'est Bichou, il nous a dit, c'est bon, c'est tranquille. Non, tu fais bien, tu fais bien, ma fille. Bah, merci, merci, ça fait plaisir. Merci. Mais on n'oublie pas la proba là, allez, hein, vas-y, on se regarde. Vas-y. 1, 2, 3. Oh ah là ah. Allez, allez, ça saute. Ça fait saut. Ça fait saut. Voilà, mon gars, voilà. Sinon, je fais ça après ta vidéo. D'abord, on fait la. Non, d'abord, on fait la visite. Après, je peux pas te faire la visite. Ok, vas-y, vas-y. Avant, mis tout ça, tu crois, il y a un passage secret où? Non, t'as mis toi, pas de passage secret. Choisis un tiroir, au hasard. Non. Oh, t'es doux, on y a un passage. T'es doux, on y a un studio de quelqu'un. Bienvenue dans... C'est toi des samedis. Oh. Oh putain, y avait vraiment un studio. Eh, je suis trop fort. Oh, c'est de la frappe ici, wesh. Oh, son canapé rouge. Samedi canap, on est carrément là. Eh, on est bientôt là, hein. T'es diable, je m'y attendais pas, les gars, à la salle. T'as vu, c'est dingue, le petit studio. Sur la vidéo. Arrête de toucher la bite, toi. Eh, tu vas toucher la bite, pas. Eh, mais gros, t'es... Ça va bien? Tranquille, au calme. Ça fait plaisir, hein? Je suis désolé de tout réveiller là, je réveille tout le monde. Ok, on était réveillés. Non, 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 ça dormait pas. Non, y'a quoi, y'a quoi? Mais toi, tu lives trop tard, toi, à chaque fois. Je regarde, tu dors jamais. 10h du mat, il dort. Ça, c'est hoche. Même toi, tu dors pas, toi. Si, t'es fou, moi, ça fait une heure que je suis réveillé. Gros, il me dit, ça fait une heure qu'il est réveillé. Il est 20h. Ça, c'est ta chambre? Ouais. Oh, les petits cœurs, bébé. C'est quand c'est une petite femme comme ça, elle peut combler mon petit amour. Oh, bébé. Là, ma petite déco pour le stream. Ah oui, mais c'est vrai que c'est nouveau. C'est la chambre à fixe. Ah, c'est de la frappe. Ouais, c'est une discothèque là. Là, j'ai tapé une meuf là-dedans, la petite ambiance. Elle doit péter. Netflix and chill, bébé. Là, c'est la chambre à Natos, mais du coup, vous l'avez vu, il est en haut. Il a mis un petit mannequin. Ah ouais. Chaque chambre, c'est un setup. T'es en live? Ouais. Bah, du coup, Loli. Wesh, Loli, ça va ou quoi? Wesh, les gars. Ça va ou quoi? Eh, désolé, on vient de déranger là. Non, t'inquiète, ça va. Ça va? Ça va ou quoi le live? Mec, Loli, les gars, c'est le boss, c'est lui le boss. Yo tout le monde. Pense la commune, force, force. Ça fait plaisir, hein. C'est Loli, c'est grâce à lui on a fait JTRP. Hein. C'est cool, hein. Je suis encore là, reviens. Je suis toujours là, frère. C'est vrai que ma vie, elle est bien, ouais. La table, putain, elle tue, hein. Ouais, mais là j'ai pété le trépied, mais. Oh putain. Bon, vas-y, tu casses un truc dérangé. T'inquiète, je vais vous rejoindre de toute façon. Vas-y, bah bisous le chat, vous êtes les boss. Samir, c'est un labyrinthe, ta villa. Là, t'as le
cette de Thomas. Ah ouais, c'est un cinéma, ouais. Cette anecdote, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment, oui, cinéma. Ah ouais, DTF, ils lui ont donné les vrais disques. Ouais, ils m'ont donné les vrais disques pendant le samedi, canapé DTF. Ah ouais, disque d'or du streamer de l'année. C'est un vrai, ça? Non, ça. C'était pas Elias. Ah ouais, il est dard celui-là. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. On te dérange pas? Au calme, y'a rien. Il est trop bien ton setup. Toi, tu dors pas là? Si, je dors là ici. Putain, il dort dans le carré. T'es déter, hein. Regarde, je me suis dit, je veux le plus beau décor possible, quitte à mal dormir. Eh, tête de homme, c'est de la frappe sa mère. T'es encore bon Twitter, Elias? Non, j'ai plus. Il est là le coupable, il est ici, frère, c'est lui. Pourquoi tu t'es fait sauter? En gros, y'a un gars, il avait un compte de perroquet et il se faisait passer pour un oiseau, tu vois. Ouais. Et moi, il me cassait les couilles. Tous les jours, il me parlait. Du coup, je lui ai dit, je vais te couper en cube et je vais te manger. Et tu t'es fait ban pour ça? Menace de mort. Oh, ça c'est haut, je t'as trop le seum. C'est terrible. C'est de la frappe, hein. Bah après, tu vas sauter dans la piscine, Michou. J'aime bien quand ça se passe comme ça, n'oublie pas. Les gars, je me sens dans le sud. Tu sens, il fait bon, tu sens, il fait chaud. Ça, c'est de la frappe. Eh, hey, il va sauter, hein. Il va sauter. Il va mourir. Y'a quoi dedans? Il y a 3 jours, la piscine a été verte. Ça veut dire là, on a mis 1 milliard de chlore, frère. Allez, ça va carrément sauter. Eh, hey, tu vas avoir des plaques partout, mon ref. T'as voulu jouer avec Mani. Allez, allez, on regarde. Regarde maintenant, faut assumer les conséquences. Oh là là. Allez, petite musique sexy là. Fais-moi un tarte au fond là. On va désintégrer. Je m'attends, je vais jamais remonter. Le défi va être relevé. Fais-moi un vrai tour. Il l'a fait. Oh là là, oh là, hey, il va avoir des plaques. On est bien là, défi respecté les gars. Les gars, le vlog continue, là on va en choquer ce gazo copain. Yeah boy. Normalement ça va être lourd, j'ai hâte de voir. On est toujours à Toulouse bébé. On va se faire démonétiser. Donc faut couper maintenant. Les gars, gazo il allume tout là. Il allume la boîte gazo. C'est trop de la frappe les showcases hein. Eh, c'est de la frappe la meuf. Pendant que ses parents sont pas là, elle m'appelle Daddy Chocolat. Les petits refs, je suis avec Vadim. Yo. Pour ceux qui connaissent le producteur sur TikTok. C'est ça. Et Mathis. Salut. Voilà, c'est quoi ton TikTok? Tu fais du cabolo. Ouais, c'est voilà. Disma Diable. Voilà, les gars, c'est les deux gagnants du Meatpong Challenge. Bon, ça date sa mère, hein, le Meatpong. Ouais, oh, ça date. Sauf que tu connais, j'ai pris du retard. Donc, je leur avais promis que s'ils avaient réussi à faire le plus beau Meatpong Challenge, je les invitais au studio. Donc là, ils sont là aujourd'hui avec nous. Donc, ils vont nous montrer leurs meilleurs tricks à la vidéo. Toi, t'as une chaîne YouTube aussi. Ouais, le producteur sur YouTube, les gars. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, il fait des tricks. Lui, son but, c'est d'être comme du perfect, mais en français. Toi, t'as une chaîne YouTube ou pas? Non, j'ai Instagram. Ok. Mathis Rasson. Bon, bah voilà, let's go. Donc là, Vadim, le tour qui va nous préparer, c'est une compilation, c'est un enchaînement de c'est plusieurs tricks à la suite. Donc, il n'y a pas de coupure. Exactement. T'es prêt? Vas-y. Oh! Oui! Voilà! Bon, c'est à toi mon petit Mathis. Allez, c'est parti. T'es chaud? En plus t'as la belle vue là. Ouais. Là t'as la tour Eiffel. Allez, et là t'as la défense. Hein. Pro Diabolo, j'ai hâte de voir ce que ça donne. T'en vas-y, chauffe-toi. Toi moi j'en ai jamais fait. Allez Mathis, tu allez, me dis vas-y. Top. Maintenant ça commence. Top, vas-y. C'est parti. Allez, go. Oh là 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 là. Il est trop chaud. Mais wesh. Non mais gros, il y a un niveau là. Wesh. Il est chaud Mathis. Mais comment il fait, wesh? Il tient le fil, après il tient le bâton, on comprend plus rien.
Non, non. Wesh. What? What? Non, ça c'est hoche. Wesh, il fait une main, il fait une main du diabolo, il fait une main. Oh, le talon. Oh. Non, là, il y a quelque chose. Non, mais là, faut le prendre au cirque du soleil, là, les gars. Oh là 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 là, cette maîtrise. Bien joué. Bien joué, Mathis. C'est quoi ton meilleur, le meilleur truc que tu sais faire avec ton diabolo? Je peux en faire avec 3. Mais non. Si. Vas-y. Allez. Alors déjà, 1, moi j'arrive pas, toi t'en fais 3. Ouais. Attends, mais toi il en fait avec 3. What? Non, là il y a quelque chose. Là il y a un talent. Emmenez-le au cirque du soleil, là. Wesh, Mathis. Non, là, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, hein. Oh, le talent. Le talent du joueur français. Voilà. Ah, dommage. GG, Mathis. Merci. Vas-y, Mathis, attends, j'essaye. Vas-y, essaye, vas-y. Vas-y, dis-moi non, juste si j'ai peut-être la maîtrise instinctivement. Vas-y, hein. Vas-y. Ouais, c'est ça. Clairement, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu essaies de pas le faire tomber du bat? Fais doucement. Comme ça, c'est pas mal. Oh, j'y arrive là! Ouais. Pour le lancer, c'est exactement ça. Samir, il a failli tomber de Wemedian! Je vais essayer de lancer et de le rattraper. Vas-y. Alors attends. Oh non! Oh, j'y étais presque! Les gars, si j'y arrive, je suis un monstre. Wouah! J'ai réussi! C'est bon là! C'est validé. Incroyable! Mec, c'est incroyable le Diabolo, je kiffe. Franchement, pour une deuxième, ouais. C'est la deuxième fois que j'en fais. Ouais, ça va? Ouais. Oh là là. Et voilà Neymar. Eh, c'est violent, hein. Dans les tribunes, mec, ça s'insulte, hein. Ça dit des fils de pute. Là-bas, du côté de Lyon, là-bas, ça met des fumigènes et tout. Ça, c'est hoche. T'as vu, ça lance des fumigènes et tout. Là où il y a des fumigènes. Mec, on n'aura pas le but de Messi. J'ai le seum, là. Je voulais voir le but de Messi. C'est gagné, mon grand. Magnifique. Bah, le match est fini, on y va. Bon les gars, le match est fini, on est dans les loges en détente. C'était de la frappe, hein. Première fois que je vais voir un match de foot en vrai. Mec, c'est large mieux que la télé. C'est magnifique. Mec, c'est de la frappe sa mère. C'était grave bien placé. Ah ouais mec, c'était une dinguerie mec. Dinguerie. Le but de Messi. Ouais, malheureusement il a pas mis de but. Donc peut-être la prochaine fois, hein. Mais t'es mal le nombre de gens les gars qui sortent. T'es mal là-bas là. T'es mal le peuple. Nous les gars, on est dans les loges là. Emma. Mec, elle est incroyable la loge. Hein. Sans c'est hoche. Non, c'était une dinguerie, les gars. Bon, les gars, comme vous connaissez, Michou, il fait danser avec les stars et il a besoin de moi. Wesh. On a besoin de toi pour un porté. T'as besoin de moi? En gros, il y a un porté que on n'arrive pas à faire bien. Ouais. Sauf que pour m'expliquer, faut qu'on le fasse au ralenti. Ah, ça va, ça? Au ralenti, c'est impossible de la porter. Ok, vas-y. Donc, je dois faire quoi? Attends, je prends la calme. En fait, il faut juste que tu me laisses pas me péter la gueule par terre. Faut que je te porte? T'es l'assurance. Non. Ah ok, c'est Michou qui te porte. Je regrette déjà d'avoir dit ça. T'étais trop con. Alors, en gros, il faut que lui il ait le moins mon poids possible. Ok. Oh le gentleman. En gros tu vois, ici je passe là. Et en fait il faudrait que tu viennes soutenir. Donc vas-y. Là je dois tenir là. En gros. Là. Viens pour lui. Oh sans bien joué. Attends, on lui fait une fois mais ça va être un peu moche. Ok, en fait, regarde, 10 secondes c'est comme ça. Comme Luffy. Attends, viens, on le fait une fois. Wesh! Bah attends, tu sais faire ça? Mais c'est bien, wesh! Eh, ça c'est hoche, hein! Eh, c'est dur hein, de faire ça! Tu veux, je peux faire avec toi si tu veux, on peut faire tous les deux. Tu veux, je te prends? Non, c'est bon, moi je regarde juste. Vas-y. Moi je soutiens.
Oui, c'est ça. J'ai failli prendre un bout de réduction. Si vous voulez, je vais chercher des coussins comme ça, je voulais me partir avec. Bah, on disait que c'était un matelas, mais on a pas trouvé. Vas-y, je vais chercher des coussins. T'en as ? Les gars, bien sûr. Toujours des coussins. J'arrive, j'arrive. Ah, quelle gassure, quoi. J'espère qu'il. Ah, mais non, elle a un copain. Merde. Et en vrai, il est quand même chaud, hein. Il est quand même chaud parce que c'est pas facile son entraînement là. Regarde ça là, ça fait le taf. C'est des petits coussins magnifiques. C'est bon, j'arrive. Ah oui. C'est bon, j'ai pris tous les coussins de mes médias. Mec, au moins là, y a pas de blessés là. Tu l'as montré la vidéo où tu m'éclates les genoux par terre? Ah, moi je vais la voir. Mec, tu lui éclates les genoux. Écoute, hein. Écoute le bruit. Oh ouais, tu l'as défoncé. Oh, oh, ça a dû lui faire trop mal. En fait, je me suis pas relevé mon corps. Attends, du coup. Oui. Oh, c'est mieux ça. Mais tu... Oh putain de merde. Oh, mais t'as bien fait là. Oh, heureusement qu'il y a des coussins. Je suis votre sauveur. Les coussins. Ah, il est KO. Bah alors, biche. Vas-y, fais-toi. Bon, easy, viens, je te le fais, moi. Non, tu fais comme ça. Ah, j'adore quand c'est tactile comme ça. Je fais comme ça. Et après, je te fais. Après, je te fais ça. Vas-y. Aïe, ah, putain, le mec. Attends, mais comment tu fais avec elle? C'est trop dur, wesh. Mec, t'es sorti sur moi, je suis tombé direct. Tu t'es écrasé. Non, mais tu es écrasé, mec. Non, je peux te porter. Vas-y. Ouais, fais comme ça. Tu veux me porter? T'es vrai? Vas-y. Mais quoi? Moi, tu as eu un porte-moi. Tu dois être prêt à être léger. Vas-y. T'es prêt à être ouais. léger? 1, 2. Mais putain, tu me portes pas là. Oh, tu me portes. Oh, c'est incroyable. Mec, je me sentais léger là quand tu me portes. Ah, ouais. Allez, tcho. Bonne merci chance pour le prochain pour Prime. Allez tous. Oh là là, quel crack. Ça va ou quoi ma poule? Je suis au taquet, hein. Oh mec, tu sais que ça va être incroyable. On part comme... au Mexico. Au Mexique. Et les gars, dans l'avion, 11 heures d'avion, il faut pas dormir. Mérico. Eh oui mon grand. Les gars, on va mourir. C'est Inox qui conduit. C'est moi qui pilote. Oh là 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 là. Oui. C'est on la villa ça. Ouais. Attends, c'est une meuf ou c'est... Quoi? C'est tout va bien la mer dans le jardin. Oh, gros, elle est trop chaude. Oh putain, y'a des requins. Tu sais que c'était un de mes rêves d'aller au Mexique. Là, je suis heureux là. Ouais, j'avoue. Non mais attends, de sortir. What? Mais attends, mais c'est les crapules. Viens là, bébé. Viens là. Mais il est malade. Wesh, y'a un dragon! Y'a la famille de Wesley! Wesh, c'est Nadius! C'est un dino! Attends, on voit mes couilles là! Y'a un poteau! C'est qui là, la noix de coco? On a goûté, on pensait que ça allait être horrible, c'est trop bon. Non mais tu vas en mettre. Non mais là, c'est dans la piscine! Ah, ça arrache! Il faut qu'on le montre au monde entier, faut que t'arrêtes de faire ça! Arrête ça! Non mais ça devient malade! Les mecs, ils m'ont regardé très chelou! Ça devient réflexe de qui me touche le cul encore, mais... Voilà, mais ça. Non, señor. Comment está? Comment está el Mexico? A toi aussi. Comment est Sancho? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Mais y'en a, tu penses que je suis intelligent ou je suis bête? T'es un peu bête. Lorena, c'est un écran, du coup. Ah. Ouais, les prochaines, je reviens. Ça me va. Les prochaines, je reviens, je vais chercher la bague à Swarovski. Ah, ok. À Swarovski. Et j'ai gagné, hein. Dans un an, je lui mets la bague. Vas-y, libère ton surplus, gros. Libère ton surplus. Bébé, il n'y a plus d'énergie, le bébé. T'as quoi sur ta nuque? Mais j'ai rien. Mais si. Ah, ça vient la pute. En vrai, je suis intelligent, je fais juste semblant d'être con. Il y a 1m30, c'est beau. Oh. Je suis jamais allé dans une tornade, donc ça va être ma première fois. Tu te rappelles la première fois qu'on est venu? Je me suis baigné. Ouais. On voit dans l'eau là. Ta gueule, c'est personne. Ouais, je me préviens avant de venir dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu manges? J'ai mangé le fouillis, j'ai mis le chapeau. J'arrête pas de danser. Et là, j'avais gardé pour ma première fois, c'est chou. Ah, t'es un scorpion. T'es un scorpion. Non mais arrêtez, vous êtes sérieux, non?
Mais... Là, on la prend pas. Mais arrête. On la soigne, va chercher, va chercher. Et comment je me marie avec elle si elle meurt? Allez, vas-y, viens. Viens, voilà. Payne, thank you so much. Non, okay. Problème. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais je sais pas, elle est sortie de la merde. Elle est sortie de la merde, gros, la vie. Allez, viens. Bye bye. Allez, ciao, ciao. Bye. Non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh putain. Il arrive! Il arrive! Je suis le savant de la tempête. Je peux tout vous dire sur la tempête, Grace. Elle vit. On a une réponse. Réponse de quoi? La meuf? Non. Elle a dit quoi? Oh, super nouvelle! Ça m'enchante, nanana. Quand? Fine! You're good. Nice. On avait tout prévu. Fine. Mais attends, mais tu veux, pourquoi tu veux lui montrer ta chambre? Bah c'est dans Zipa. What do you want to drink? Coke for me, please. Star, y'a plus de coke. No. En enfant, il reste qu'une, c'est pour moi. The water is for you. Water. You sing? Sing on my beat. When you come in France, you come in my gova, we listen that with sushi. And after, we go Eiffel Tower. And you kiss me, and après... Ciao. Nickel. Yes! Yes! I love your case. This? Do you want... Do you know what... attends, mais c'est une transition. You know? Do you want the what his name? Ace. I marry you, where is the bag? And when I marry you, putain de merde! You take the card, you can put now. And you say carte de l'ancien. Oh putain! Là, je suis en train de lui dire que j'ai une grosse maison et trois voitures. Elle va y croire, elle va y croire. I live with my parents. And I have a Peugeot 208. Allez, Inox. C'est l'heure des au revoir. Here. Merci. Oh. Oh, il a eu, il a eu. You are the boss. Je l'ai pécho. Tête de homme, j'ai trop assuré. Tu vas où toi? La tête, la tête, la tête. Non, la tête, vraiment la tête. Et je vous parle plus, je vous parle plus. Je rêve de me prendre la queue de l'ultramar dans le cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Inox! La voile, Inox! Vous faites quoi, les gars? Bon, cherche Hermano, gros, Inox! Hermano! Fais quoi, gros? Par toi, je pisse. Genre, quand je pisse dehors, je me sens plus libre. Bah, quand t'es dans les toilettes, t'es un peu enfermé. Et quand t'es dehors, t'es. Voilà, ton zizi est tout petit par rapport à tout le monde entier. C'est ça! Ah oui, bébé! Attention! J'ai le... J'ai... L'ultramar. Bon, les amis, c'est le grand moment. Vas-y, je vais chercher mon sac, attends. Vas-y, Nox, dépêche. C'est parti. Les gars, c'est pas fini, les vacances. C'est pas fini. Non, la putain de vie de rêve, mon grand. Oh gros non. Là je m'assois carrément. Mec, j'ai l'ultra marre dans le caleçon, mec. Mec, c'est la vie de rêve, mec. J'ai une envie de péter le bide. A défaut de me faire péter le fiac. Attention. Et tes darons, ils regardent le vlog en plus. Ouais, à Derka. On la tire dessus. Ah, c'est une blague! Ah, c'est une blague! Chatouni! Viens, mon poussin! Viens là! Chatouni! Tempête Grace fait. Ah, oui. S'il va rester puceau jusqu'en 2023. Ok. Oh! Bon, bah, les gars, c'est terminé le Mexique. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Je l'ai regardé aussi. On était tous ensemble. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez. Vous êtes les boss. Sur ce, bye tout le monde.